Yop, salut à tous. Voilà, bah, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que j'avais rien publié sur la chaîne. Donc bah, voilà, ça me fait vraiment super plaisir de vous revoir, de vous faire un petit coucou comme ça faisait un moment. Dans cette vidéo, je vais être honnête tout de suite avec vous. Si vous espérez voir du gros poisson, si vous espérez voir une sortie exceptionnelle avec plein de poissons, passez votre chemin. Il y a d'autres vidéos ailleurs sur Internet que vous pourrez visionner pour vous faire plaisir. Clairement, les quelques jours de pêche que je vais vous mettre ici en vidéo, ça n'a pas du tout été le cas. On est parti pour une session de quelques jours avec Crespi, séjour qui a d'ailleurs été un petit peu écourté. Séjour où malheureusement, ben, tout s'est pas passé comme on espérait. On a fait très peu de résultats. Et on a eu des conditions climatiques vraiment exécrables, ce qui fait qu'on a écourté la session d'un jour. On a eu énormément de pluie. Quasi non-stop pendant 3 jours, à part une demi-journée qui était plus ou moins sèche, mais où il y avait beaucoup de vent, on a pris des litres et des litres d'eau sur la tête. Donc voilà, raison pour laquelle on a décidé le dernier jour de remballer. Le temps, plus les résultats qui n'étaient pas là, ça valait pas la peine, je pense. Et on a décidé d'écourter la session, bah, pour pas se dégoûter outre mesure. Maintenant, quand j'ai vu après le deuxième jour comment la session tournait, je me suis dit c'est pas grave, on va quand même publier cette vidéo. De façon à quelque part partager un petit peu les moments où bah, ça se passe pas comme on veut, les ratés, les moments où on prend des mauvaises décisions, les moments où ça marche pas, les moments où franchement on n'a qu'une envie, c'est de rentrer, puis les moments de rigolade aussi, hein, quand on a un binôme avec qui on s'entend bien, forcément on passe toujours des bons moments à la pêche, même si les résultats sont pas là. Donc c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous partager à travers cette vidéo. C'est un petit peu ces petits moments qu'on ne vous montre pas sur internet d'habitude, soit qui sont coupés au montage, soit parce que tout simplement il n'y a pas de vidéo au final, parce que les résultats sont pas bons. Et bah, moi j'ai décidé tout le contraire aujourd'hui, c'est de vous publier ces petits moments qui pour moi, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à monter cette vidéo, ça m'a bien fait rire à plus d'un moment. Voilà, les petites galères, les petits moments faits, et puis les moments de déconnade aussi avec mon binôme. Donc comme j'ai dit, vous voulez voir du poisson, vous voulez voir des gros poissons, passez votre chemin, on n'est pas là pour ça. C'est vraiment une vidéo où on se voit un petit peu à poil, où on est, voilà, c'est comme ça. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour les débutants, vraiment purs débutants, ben voilà, ce sera peut-être l'occasion de vous rassurer, de vous dire que ben, même les mecs qui pêchent depuis quelques années, ben, ça leur arrive aussi de faire des conneries. On n'est certainement pas mauvais là-dessus d'ailleurs avec Crespi. Donc voilà, ben, je vous souhaite une bonne vidéo. J'espère pouvoir vous montrer une vidéo avec un peu plus de poissons la prochaine fois. Mais en attendant, voilà, si vous avez quelques minutes à perdre pour des petits moments légers, bah, faites-vous plaisir avec cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, et que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou sur le site internet, et j'espère qu'on se revoit très très vite. Ciao. Salut tout le monde, salut Crespi. Wow, wow, wow. Voilà, on se retrouve, ça fait super plaisir de vous retrouver, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas publié de vidéo. Donc voilà, on se retrouve sur la rivière, on est parti pour 4 jours de pêche avec Crespi, qui vont se diviser en 2 fois 2 jours. On va passer 2 jours sur la rivière et 2 jours en lac. Donc ici on est sur la rivière où on avait fait une descente en flotte tube lors de la dernière vidéo. On avait fait un très beau brochet. Donc bah, voilà, on espère faire un peu de résultats aujourd'hui. On est en bateau donc pour ces 4 jours. On va voir un petit peu ce que ça va donner. On devrait avoir pas mal de pluie aujourd'hui, un peu plus sec demain. Le courant, ça a l'air d'aller. Ça tire pas trop. L'eau n'a pas l'air. Ouais, voilà, pour le broc, ça devrait aller. Temps d'automne, couleur d'automne. On s'en approche tout doucement. Donc voilà, on espère que ça va donner, qu'on aura de quoi publier une vidéo. Puis, de toute façon, bah, si on ne fait pas de brochet, vous ne verrez pas l'introduction, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Allez. On aurait été mauvais. Voilà, c'est sur 4 jours, franchement, on devrait quand même pouvoir s'en sortir un petit peu. Donc voilà, 2 premiers jours en rivière, jeudi, vendredi en lac. Donc on espère toucher du poisson, on espère tirer notre épingle du jeu, et on se donne rendez-vous tout de suite sur l'eau. Allez, à tout. Salut tout le monde. Salut les mecs. Salut Crespi. Bon voilà, jour 2, final, changement de décor. On se retrouve déjà en lac. Notre journée rivière s'est pas spécialement déroulée comme on pensait, comme on espérait. Ouais, clairement, c'était pas terrible. Ça avait bien commencé pourtant. Après une demi-heure de pêche, on fait suivre un beau poisson, 80-90. Et c'est tout ce qu'on verra comme activité de la journée. On aura essayé vraiment de changer les techniques. On a pêché à bordure, on a pêché l'île de la rivière, on a trouvé un énorme rassemblement de blancs à un endroit, on l'a
on l'a poncé de toutes les manières possibles et imaginables et on n'a absolument rien fait. Étant donné que le secteur qu'on pêchait hier en rivière est assez limité, on n'avait pas envie spécialement de recommencer exactement la même pêche qu'aujourd'hui, surtout que les conditions sont similaires. Donc on a décidé de migrer déjà aujourd'hui sur le lac. Donc c'est l'ouverture depuis hier de la zone hiver. On va voir ce que ça a donné. Apparemment il y a eu quelques poissons qui ont été faits hier. Bon, le temps ça va être la merde comme hier. On a pris de la flotte toute la journée hier, ça n'a pas arrêté une seconde et visiblement aujourd'hui ça va être reparti pour le même scénario. Voilà, on espère avoir au moins un peu de poissons aujourd'hui pour pouvoir se réchauffer, avoir un peu d'activité sur le bateau. Donc voilà, jour 2 c'est parti, on espère que ce sera un peu plus productif que le jour 1. Je pense pas que le broc soit déjà vraiment absolument dans les 9 mètres de flotte. Oh, tape. Ouais. Yes. Zizou, allez, c'est bon. Et attends, je crois que j'en ai un. Attends. Ouais, ouais. J'étais même pas sûr, je pensais que j'étais accroché. Bon, on va plus faire la même connerie que le coup passé. Oui, ça c'est clair. On pourrait y être certainement. Oh putain! Magnifique. Arraché. Putain! Ah là par contre! Quoi? Coupé. Putain! Non, le nœud qui s'est ouvert, putain! Putain! Serre de l'apéro. Les bons cow-boys font une foire avec des pucerons. Affreux. C'est sympa ton nouveau sapin de Noël. Ah, t'as vu, je suis là. On aurait dû y aller aujourd'hui. Avec tes idées à la con. Parce que c'était ton idée. Ouais, c'est ça. C'est qui te l'a évoqué la première fois.
Ouais, on irait à Madi, connard. C'est une merde. Terminé. Et qu'est-ce que t'as gagné comme l'heure? Qu'est-ce que t'as gagné comme l'heure? Allez, montre. Putain, enculé, t'es occupé à dérouler la ligne des carpures. Oh, même pas à l'heure. Bah, tu t'es tout occupé. Bah oui. Putain, vieux. Pas laisser ça là. Hein. Ah non, c'est sûr. Ah, t'as pas encore fini? Ah ouais. Mais on va bouger un peu. Ça sert à rien. Et comme d'habitude, il s'était plein d'espoir. Et comme d'habitude, il s'était plein d'espoir. Et le lendemain, à cette même heure, il l'avait encore profondément dans le cul. Ce type est pas tout net. Franchement, tu vas sortir tout seul, c'est demain. Ton flot de tube est chez moi, je te mettrai sur la zone de ton choix. Bon, on ne montrera pas la touche de celui-là. Enfin, il aura fallu le temps aujourd'hui pour sortir un broc-maillé. Ouais. Bon, la touche en exclusivité à la fin de la vidéo, elle vaut de l'or, elle vaut 1000. Je sais même pas si je l'ai au final, mais... Oh, moi je l'ai. Ouais. Si vous voulez rendre vos parties de pêche passionnantes, un conseil, contactez-le. Vous ne pêcherez plus jamais de la même manière. Fini l'ennui. Oh, dis-moi, salut gros sac. Ça commence déjà bien. Les gros sacs. Voilà, troisième jour. Bon, c'était la galère hier. On n'a pas trouvé la pêche, on est passé complètement à côté. On va essayer de faire totalement autre chose aujourd'hui. Aller sur des secteurs qui n'ont pas trop été pêchés. Depuis l'ouverture de la zone hiver, il n'y a personne. Donc on va voir si on trouve un peu de poisson ici. On va essayer, faut changer quelque chose. De toute façon, il ne nous reste que 2 jours. Et voilà, si on ne veut pas que ça tourne dans la catastrophe, ces 4 jours de pêche, il faut qu'on essaie de trouver un petit peu la pêche, essayer de pêcher différemment. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. On va faire des sauts de puce, essayer de parcourir un peu plus de chemin. Si ça ne mord pas, on va pas inciter pendant des heures. Et puis voilà, on espère trouver quand même du poisson et faire une bonne petite vidéo aujourd'hui. Allez, c'est parti. Oh putain. Ouais. Ah bah. C'est un vierge, je suis. Je préfère te le dire comme je le pense, ça commence à me casser les couilles. J'aime la pluie. J'aime la pluie. J'aime la pluie, ne m'en fuyez pas. Je suis né comme ça. J'aime la pluie. Oh, et tant pis s'il pleut un peu beaucoup sur moi. Je simule des vifs qui s'enfuient.
On aurait dû écouter Chat. C'est elle qui avait raison depuis le début. On va les écouter plus souvent, nos petites femmes. Surtout qu'elles auront certainement l'art de nous dire que je t'avais dit de rentrer. Putain, on a rompu le capot, vu. On a rompu le capot. Oh mon dieu. Oh là 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 là. Oh, aïe 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 aïe. Quelle belle journée. Hein? Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Le jeu commence justement à casser les couilles. Ah, ça. Il est dessus. Il est dessus.